petit paradis bien caché dans ma tête. Il y a toutes les couleurs du kaki en vermeil. Dès que c'est souhaitable, tout y est possible. Mais le plus agréable est l'accès facile. Il y a bien sûr toutes ces vieilles photos avec des ratures de personnes que j'aimais trop. Il y manque parfois quelque chose d'indéfini. Tant que je trouverai pas quoi, je vivrai pas ici. Autour de mes tympans, on trouve un beau bordel, ça en fait du boucan. Un monde de poésie, d'humour et d'aventure. C'est un endroit magique, surtout pour les coups durs. On y entend un peu tout, du vieux, du long, du fort. Et même du chelou, où faut faire un effort. Il y manque parfois quelque chose d'indéfini. Tant que je trouverai pas quoi, je vivrai pas ici. Centré sur la gauche, se taire mon petit coquin, se taire celui qu'on écorche. On peut pas lui reprocher d'être indifférent, parfois à tel point qu'il en devient vraiment chiant. Tous ces sentiments qui passent lui rendent visite ne se rendent pas compte. Il le rend anarchiste. Il manque parfois quelque chose d'indéfini. Quand je pourrais pas quoi, je vivrais pas ici. Dans mon jardin d'Éden, tout au fond de tes yeux, où souvent je me promène, même quand le temps y est pluvieux. On n'est pas trop nombreux, mais ça suffit comme ça. Si on n'était pas deux, je pense que j'aimerais pas. J'ai fait mon paquet, j'ai pris quelques affaires. Et puis mon carnet de chants révolutionnaires. Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'infini. Si tu le permets, je viens planter ma tente ici. Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'infini. Si tu le permets, si tu le permets, je plante ma tente ici. Très cultivée, intelligente et même brillante, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds par ses maîtres et son enseignante. Prête au comprendre sa condition de garce, de pute, de femme objet, se bat contre les institutions, celle des machos, pas du progrès, époustouflée par 68. Ça, c'est une vraie révolution, une révolution féministe, celle du mariage piège à con. Arrivée à la fac, elle est toujours meilleure, toujours devant. Elle trace sa route à coups de piolet malgré l'opposition de ses parents. Tu seras
comme moi, lui dit sa mère. Une bonne épouse, mère au foyer, on en a besoin, ajoute son père. Les hommes savent pas faire à manger, des hommes elle en a. Quelquefois, pas très longtemps, pas trop souvent. C'est bien sûr pas qu'elle ne les aime pas, eux sont cons comme rentre en plan. Puis un jour elle a fini par trouver son prince charmant. Elle qu'aimait pas la galanterie, elle a peur qu'il la laisse en plan. Plus tard, c'est son mari. Enceinte, elle prépare un rôti. Elle attend son troisième enfant. La table est mise par sa fille. J'aurais voulu, j'aurais aimé vivre la vie de cette fille pour comprendre ce qui s'est passé, pour qu'elle change à ce point d'avis. Mesdemoiselles et gentes dames, le combat n'est pas terminé. Mais ce n'est pas un combat de femme, juste celui de l'égalité. Juste celui de l'égalité. Révolution, mon amour, toi qui es communiste, mitterrandiste, marxiste, léniniste, guévariste, anarchiste ou bien trotskiste, industriel, national, informatique, technologique, socialiste, 68, art, crypto, gauchiste, capitaliste, économique, financière, sandiniste, révolutionnaire. Est-ce une révolution? Est-ce une révolution? Est-ce une révolution? Non, c'est juste une révolte. Est-ce une révolution? Est-ce une révolution? Est-ce une révolution? Non, c'est juste une révolte. Révolution, mon amour, combien de temps doit-on attendre? Le lendemain qui chante les petits matins, c'est du grand soir, la fin d'un monde, le début de celui-là, le temps des cerises. Autogestion, l'été, le printemps, mai 2008, cet horizon, ce truc très loin ou pas assez, les élections, la providence, le messie, le bus, le train ou le taxi. Est-ce une révolution? Est-ce une révolution? Est-ce une révolution? Non, c'est juste une...